Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Si je m'adresse à vous, c'est parce que nous sommes à nouveau face à cette maladie dans une situation excessivement préoccupante avec un taux d'incidence de plus de 800 en Seine-Saint-Denis, avec hier 400 décès en France, des réanimations saturées, un centre de santé qui voit une affluence nouvelle de gens qui viennent se déclarer porteurs ou qui pensent être porteurs du Covid. Il faut absolument que nous ayons toutes et tous une attitude responsable, d'autant que cette crise est une crise particulièrement inégalitaire qui frappe les plus fragiles. Et donc, il faut se protéger encore plus, faire attention encore plus pour pouvoir sortir le plus rapidement de cette situation. La ville va réduire son champ d'activité. Bien sûr, le centre municipal de santé, qui est notre poumon et qui joue un rôle décisif avec la vaccination, plus de 200 personnes sont vaccinées chaque jour, va continuer à faire son travail. Bien sûr, les services administratifs, l'accès aux droits vont être maintenus, mais le reste va être mis en sourdine pour éviter le brassage, les échanges et ainsi se protéger toutes et tous collectivement. Si vous avez un souci, le centre municipal de santé peut répondre au 07 78 55 59 86 à vos exigences. Et nous allons éditer un numéro spécial de regard pour donner le maximum d'informations et ainsi vous permettre à chacune et à chacun de faire face à cette situation qui va malheureusement perdurer, vraisemblablement à minima, jusqu'à la fin du mois. Et je vous adjure, chacune et chacun, de faire les efforts nécessaires parce qu'il en va de notre avenir, de votre santé, à vous et à vos proches. Bon courage. Et merci de vos engagements.